caniche est l'un des chiens les plus populaires en France. Les familles adorent sa bouille joviale et très mignonne, sa douceur, sa quiétude et son envie incessante de bouger. Il apporte du dynamisme dans les vies de chacun. Il est en plus très sociable, ne demande pas un entretien de tous les instants et a la particularité d'avoir une santé robuste. Race d'origine française, le caniche descend du barbet, dont il hérite l'aspect général et l'aisance à la chasse en milieu aquatique. Le caniche était en effet utilisé dans la chasse au canard. Étymologiquement, les mots caniche et canard possèdent d'ailleurs la même racine. Le terme caniche était autrefois utilisé au féminin pour désigner la femelle du barbet. Progressivement, il s'est imposé comme l'un des meilleurs chiens de compagnie grâce à son caractère jovial et dynamique. Le standard de la race a été établi en 1936. Il existe quatre variétés de caniche dont le standard est le même pour tous, avec des tailles pouvant aller du simple au double. Le grand caniche, sa taille varie entre 45 et 60 cm. Il présente la même apparence que le caniche moyen et en reprend les proportions générales, mais avec des dimensions supérieures. Le caniche moyen, sa taille varie entre 35 et 45 cm. Le caniche nain, sa taille varie entre 28 et 35 cm. Il présente l'apparence du caniche moyen, mais avec des dimensions réduites. Le caniche toy, sa taille varie entre 24 et 28 cm. Il a l'aspect et les proportions générales du caniche nain, tout en étant plus petit. Son poil, abondant, fin et laineux. Il est frisé et élastique chez le caniche à poil bouclé, serré et formant des cordelettes chez le caniche à poil cordé, sa couleur, impérativement unie. La robe peut être noire, blanche, marron, foncée, grise, uniforme, ni noirâtre, ni blanchâtre, ou fauve. Sa tête, deux fois plus longue que large, proportionnée au corps, ni lourde, ni trop fine. Le stop est peu marqué, mais il ne doit pas être effacé. Ses oreilles, plates, longues, tombant le long des joues et élargies, puis arrondies à leur extrémité. La peau du pavillon atteint ou dépasse la commissure des lèvres quand il est porté en avant. Garni de longs poils ondulés. Ses yeux, en amande, de couleur noire ou brun foncé, d'expression intelligente et dynamique, son corps, bien proportionné, légèrement plus long que haut, au niveau du garrot. Le dos est court, le garrot modérément développé, le rein ferme et musclé et la croupe arrondie, sans être tombante, sa queue, attachée haut, au niveau de la ligne du rein. Portée à 9h10 par rapport à la ligne du dos. Le caniche est un chien plein de vitalité et d'énergie. Il est animé par une grande intelligence et une tendance à la curiosité qui le rendent toujours enclin à apprendre. Très attaché à son maître, il s'évertuera toujours à lui faire plaisir. Le caniche est également très attentif aux moindres mouvements inhabituels et à toute présence suspecte, ce qui en fait un très bon chien d'alarme. Il n'aboie que s'il constate quelque chose d'anormal. Très populaire en France, le caniche possède un caractère jovial, aimable et fidèle. Il est très câlin et n'hésitera pas à se laisser caresser des heures durant par son maître. Doté d'une grande intelligence, le caniche assimile rapidement les règles, les ordres et les exercices qui lui sont inculqués durant son éducation. Celle-ci ne doit toutefois pas être trop ferme ni violente, car ce chien est particulièrement sensible, voire susceptible. Le jeu est le meilleur moyen d'en faire un animal d'excellente et agréable compagnie, pour les adultes comme pour les enfants. Il ne faut pas hésiter à le récompenser pour ses bonnes actions et ne jamais le disputer lors de ses bêtises.
La vie en milieu urbain convient aux caniches, surtout chez les variétés de plus petite taille, mais il apprécie particulièrement le fait de pouvoir évoluer dans un espace extérieur. S'il s'est très bien adapté à un mode de vie citadin, le grand caniche aura toujours une préférence pour les grandes étendues campagnardes et les terrains agrémentés de points d'eau. Une maison avec jardin lui ira comme un gant, puisqu'il alternera entre l'intérieur et l'extérieur, où il pourra gambader. La vie en appartement peut lui convenir sans souci, à condition de le faire sortir régulièrement afin qu'il se dépense comme il se doit. Le caniche perd peu de poils, mais sa robe fournie a besoin d'être régulièrement entretenue afin de conserver son bel aspect. Inspectez régulièrement ses oreilles afin de prévenir les otites et privilégiez les croquettes pour l'aider à combattre le tartre. Il est recommandé de le brosser quotidiennement en utilisant une brosse en caoutchouc et un peigne métallique. Des passages chez le toiletteur à un rythme bimestriel sont conseillés. La fréquence du toilettage devient beaucoup plus importante si vous souhaitez le faire participer à des concours. Dans ce cas, le budget d'entretien à prévoir s'alourdit considérablement. Le caniche doit bénéficier d'une alimentation adaptée par rapport à sa morphologie et à sa dépense énergétique quotidienne. Ainsi, il doit pouvoir avaler des croquettes de haute qualité qui lui amèneront tous les nutriments indispensables à sa bonne santé. Ne pas hésiter à se rapprocher d'un vétérinaire pour plus d'informations personnalisées. Le caniche a besoin de promenades quotidiennes et de quelques jeux pour être épanoui. Il ne rechignera jamais à apprendre de nouveaux exercices, pour peu qu'il soit récompensé et joyeusement fêté. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.